Je suis vice-champion d'Europe au 100 mètres jeune. Je suis troisième au 100 longueur, championnat de France indoor. Je suis Nolan Courdaveau, j'ai 20 ans et je suis en B2 marketing communication. Je fais de l'athlétisme en e-sport, donc c'est du sport pour les personnes en situation de handicap. Je suis hémiplégique du côté droit. Ça veut dire que je suis paralysé de tout côté droit, la jambe et le bras, y compris le visage. Là, ça m'apporte de la confiance en moi déjà, de la gestion du stress, ne serait-ce qu'en compétition ou lors des entraînements, du bien-être physique par rapport à mon handicap, parce que ça permet d'équilibrer les deux côtés, et côté gauche et côté droit. Mon objectif principal, là actuellement, ce sont les Jeux Paralympiques de 2024. Mon autre objectif, ce sont les Championnats de France en extérieur, donc c'est en juillet 2024, à Albi. J'ai créé un site internet qui s'appelle Handi Echo. C'est une plateforme de mise en relation entre personnes en situation de handicap et valides pour échanger des conseils et du matériel. C'est venu d'un constat, parce qu'avec mon handicap, j'ai deux pointures de différence entre mon pied gauche et mon pied droit. J'achète deux paires de chaussures à chaque fois. Il y a toujours deux chaussures qu'on jette à la poubelle. Et je me suis dit, au lieu de les jeter, pourquoi pas les donner à d'autres personnes qui en ont besoin, comme des amputés qui se servent de lame en athlétisme. On peut trouver comme matériel des cannes, des fauteuils roulants, des chaussures adaptées. Le handicap, c'est comme du franchissement de haies, il y a plein de barrières, mais il faut les franchir. C'est comme ça que l'on réussira. Ça, c'est enregistré, j'espère.